Hello tout le monde! Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque nous allons parler musique, alors musique et cinéma, puisqu'une vidéo des Daft Punk a fait un raz-de-marée cette semaine sur YouTube pour annoncer la séparation du duo. Français Electro, une bien triste nouvelle, mais qui est intéressante du point de vue du cinéma, puisque cette vidéo intitulée Épilogue utilise des extraits de leur film Electroma, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2006, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi Daft Punk au cinéma. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui j'ai le plaisir de revenir sur Daft Punk au cinéma et oui j'ai trouvé que c'était un thème intéressant cette semaine puisque donc comme vous le savez hein, les Daft Punk ont annoncé leur séparation dans leur vidéo épilogue depuis lundi dernier avec des extraits de leur film Electroma mais j'y reviendrai. Dans un second temps, puisque je voudrais démarrer donc par Interstellar 5555, puisque c'est le film auquel on pense immédiatement lorsqu'on pense à Daft Punk, je pense. C'est-à-dire que c'est voilà, en tout cas c'est leur proposition euh, visuelle, je pense, la plus populaire, en tout cas la, la cinématographique la plus populaire. L'histoire de, voilà, de ces extraterrestres bleus voilà, qui donc sont des musiciens, euh, qui ont un, voilà, un gros succès dans l'espace et qui vont se faire happer par un producteur véreux euh, qui donc va les humaniser hein, même au niveau du, du, de, de, de leur apparence. En fait, ils vont être humanisés et ensuite vont faire un carton sur la planète Terre. C'est un petit peu résumé comme ça, mais voilà, c'est un film, c'est un space-opéra comme on dit, hein, musical. Euh, qui, euh, donc, euh, flirte avec tous les, les, les genres, un peu, de l'animation japonaise, puisque c'est Toei Animation à la production. Et les Daft Punk, en fait, sont allés déterrer, donc, Leji Matsumoto, qui est, donc, le papa d'Albator, Capitaine Albator. Donc, euh, voilà, une belle collaboration euh, qui, euh, voilà, a été ensuite... Euh Décliné en plusieurs clips, évidemment, hein, le film a été morcelé ensuite pour faire euh, tous les titres de l'album Discovery, hein, c'est l'album Discovery, en fait, euh, qui est mis en image, hein, donc voilà, pendant le film, vous avez donc toute la, tout, tout l'album, en fait, qui défile dans l'ordre chronologique, et donc c'est euh, Kazuhisa... Euh, Takenushi voilà, qui a donc effectué la réalisation de ce film, mais évidemment avec le concept artistique, hein, toute la pâte graphique, les dessins de Leji Matsumoto. Un très très beau travail, un film qui a été présenté en mai 2003, euh, et qui, euh, ma foi, euh, avait en tout cas rencontré un succès de la part des fans, hein, évidemment, puisque, voilà, c'est évidemment, comme beaucoup de films de groupe, ça intéresse surtout les groupes, hein, vous voyez même Metallica, euh, essaie de, de faire un film il n'y a pas si longtemps, « Through the Never », c'est bon, les films de groupe, il y a du bon, du moins bon, quoi, voilà. Parfois, c'est très prétexte pour finalement, euh, voilà, c'est souvent un, un peu un, un objet marketing, etc. Mais là, vraiment, Daft Punk, je trouve que c'est intéressant, parce qu'ils ont essayé quand même, c'est-à-dire qu'il y a une tentative. Ce que j'aime bien chez Daft Punk, au cinéma, c'est qu'il y a cette tentative d'essayer de, de, de vraiment euh, euh, faire des propositions, même si c'est pas nouveau, Hein, évidemment, mais ils ont envie de faire un, un, un objet visuel tout à fait euh, bien fait. Ils sont allés déterrer quand même les sous Moto comme ça. Donc, ils ont une envie, vraiment, il y a une envie artistique derrière. C'est pas juste marketing. Donc, c'est ça que j'ai ai bien aimé dans leur premier film. Donc, il y a celui-là. Et évidemment Electroma, donc là encore plus intéressant puisqu'ils se mettent en scène. Alors ce n'est pas eux qui interprètent donc le, leur propre rôle, hein, ce sont d'autres acteurs, mais ils sont donc euh, euh, responsables donc, de l'écriture du scénario et ils ont également réalisé donc Thomas Bangalter et euh, Guy Manuel de Christo. Voilà, donc une œuvre qui, qui présente donc deux robots, hein, donc, les robots des Daft Punk qui errent dans le désert et qui sont donc à la recherche, hein, c'est une quête vers l'humanité, donc vous verrez, il y a des images, c'est très visuel, hein, il y a, il y a, on, on flirte un peu avec le minimalisme, vous voyez, de THX, euh, de, de, de George Lucas, et il y a aussi euh, ce côté de Jerry de Gus Van Sant, parce qu'il y a tout ce qui est euh, donc, euh, bah, ces deux individus qui errent comme ça dans le désert, donc il y a beaucoup de scènes avec cette voiture notamment, hein, qui rappellent Jerry de Gus Van Sant, donc voilà, ils flirtent avec plusieurs inspirations, en fait, dans leur film. Euh, mais c'est un film intéressant parce que même si évidemment on voit beaucoup de Jerry hein, dans, dans ce style, c'est presque c'est presque un peu une sorte de <laughs> pas une parodie de Jerry, mais parce que c'est plus intéressant que ça. En tout cas, voilà, ça reprend des codes de Jerry. Et ce que j'aime bien personnellement, c'est ce côté où voilà, vous avez une, de, une scène comme ça qui est très très forte, c'est donc quand ils vont essayer d'apprendre l'apparence humaine. Donc ça aussi, ça fait écho à Interstellar hein, 5555. Cette quête de voilà devenir, se façonner à l'image de voilà de l'être humain. Donc ça c'était bien vu donc euh, vraiment c'était je suis content en fait que reparle de ce film en fait pour être honnête puisque euh, voilà je trouve que c'est intéressant quand on parle de Daft Punk de penser aussi à toute la, la partie cinéma forcément moi c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais parce qu'il y a eu beaucoup d'influences, Il faut savoir que Daft Punk, à hein, l'origine même du groupe, hein, ils ont pris leurs influences donc, dans un film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise, dont j'ai ici une copie. Comme vous pouvez le voir, je suis très fan. Euh, voilà, donc l'édition Carlotta, euh, limitée, ultra collector, euh, avec un livre à l'intérieur, etc. Passionnant. Je vous recommande donc cette édition. Je ne sais pas si c'est facile à en trouver, c'est vraiment limité. Mais voilà, Phantom of the Paradise, donc voilà. Que du coup, depuis l'annonce de la séparation des Daft Punk, j'ai revu <laughs> pour tout vous dire cette semaine aussi, ça m'a donné envie. Mais voilà, ils étaient très fans de ce film et donc ça leur a donné l'idée du concept, donc évidemment du, du personnage casqué, mais au-delà de ça aussi de la. Euh, de la production en fait, hein, des sons particuliers comme ça, hein, espèce de vocodeur enfin voilà, ces trucs très techniques comme ça de production de musique électronique et de déformation des voix. Donc tout ça voilà, ça a été très inspiré de Phantom of the Paradise qui était sorti en 1974, donc vous voyez bien avant euh, l'histoire des Daft Punk. En tout cas voilà, le groupe ne s'est jamais caché euh, d'être très fan du film, hein, c'est leur film préféré clairement, donc euh, on peut même dire leur film de chevet. Voilà donc déjà donc Interstellar 5555, Electroma, et ensuite euh, il y a eu aussi bah, le passage euh, évidemment euh, chez Gaspard Noé puisque euh, Thomas euh, Bengelter voilà, a travaillé donc sur Irréversible, hein, il en est l'auteur de la bande originale. Donc film assez hermétique, hein. c'est pas un film populaire, c'est un film connu, mais en tout cas qui, voilà, c'est <laughs> vraiment pas le, le genre de film à regarder en famille, voilà, c'est pas le film à regarder même si on a fan, un fan de Daft Punk, je pense qu'on, voilà, c est, c est, vous n'allez pas forcément euh, euh, avoir une plus-value, enfin à, à, une plus-value musicale certes, mais après voilà, c'est un film un peu particulier, voilà, je, je sais que c'est réservé à une catégorie de, de, de voilà, de, de fan de Gaspar Noé, plutôt, voilà, ou, parce que c'est assez, assez particulier, c'est assez violent. Mais juste pour revenir, donc, Thomas Bengalter a créé, donc, la bande originale et a refait, donc, euh, une collaboration pour Hunter the Void, où là, du coup, donc, l'autre film de Gaspar Noé, là, pour le coup, il était juste responsable, donc, des effets sonores, hein, donc, voilà, il était trop occupé, il n'avait pas le temps de s'occuper de, 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 voilà, de la bande originale, donc, voilà. Et ensuite, nous avons aussi encore Thomas Bengalter, donc, dans Réalité de Quentin Dupieux, qui fait un caméo, juste ici, vous voyez, donc, il faut le savoir, hein, on n'a pas l'habitude de les voir sans casque, évidemment, mais, voilà, Thomas Bengalter, donc, fait une apparition, vous voyez, avec son journal, dans l'attente euh, du médecin, donc, voilà. Il y a euh, beaucoup, beaucoup de, de, de petits caméos, de petites apparitions, tout ça, et aussi, donc, euh, un autre cinéaste, hein, Cédric Lapiche, dans l'auberge espagnole, vous vous souvenez certainement donc de cette scène euh, à une sortie d'une boîte de nuit en Espagne, euh, où euh, Xavier donc euh, Romain Duris se sort comme ça un petit, peu, un petit peu bourré, et donc on a des images un peu comme ça qui se, une espèce de, de fondu un peu enchaîné comme ça un peu flou, euh, voilà dans une ruelle dehors comme ça et on a le titre aérodynamique donc de l'album Discovery euh, qui est donc euh, voilà. Et, euh, est présent donc dans la bande originale donc euh, ensuite nous avons euh, trône l'héritage alors ça évidemment vous vous en souvenez euh, le film de Joseph Kosinski qui est responsable d'Oblivion hein, c'était son premier long métrage trône l'héritage donc qui était la suite hein, du premier trône évidemment euh, film qui était certes très intéressant visuellement, mais qui bon au niveau du scénario, au niveau de la réflexion derrière, est pas beaucoup. Enfin, je trouve que c'était c'était juste un peu. À, enfin, voilà, c'était très beau visuellement, mais ça s'arrêtait là. Mais en tout cas, voilà, la BO était signé donc pour le coup là par les deux, hein, Thomas Belgalter et Guy Manuel de Homem Christo. Donc les deux Daft Punk réunis pour signer cette bande originale dont des titres inédits, d'ailleurs, ont été publiés en décembre dernier, c'est pour vous dire, voilà, juste avant épilogue ils avaient donc, euh, voilà, euh, mis leur dernière euh, pépite euh, jamais sortie, euh, et juste derrière, ils nous annoncent leur séparation, donc voilà. Et donc ensuite, nous, oui, alors évidemment, il y a eu des, des caméos, évidemment, euh, de, des Daft Punk à l'intérieur du film, hein, évidemment, et il y a eu également, donc, euh, Eden, le film sur la French Touch, de Mia Hansen Love, dans lequel... Vincent Lacoste, et oui, Vincent Lacoste joue Thomas Bengelter et Arnaud Azoulay en Guy Manuel de même Christo. Donc, euh, c'est pour vous dire, voilà, il y a eu vraiment une adaptation comme ça, de, de, un film sur la French Touch qui est correct. Voilà, c'est sans plus hein, évidemment, mais c'est euh, un film en tout cas qui est intéressant, qui qui vaut quand même le coup d'œil. Voilà, donc je vous le recommande quand même hein, par ailleurs, mais voilà, c'est un peu plus pour les anecdotes autour de la French Touch pour se mettre un peu dans l'ambiance. Voilà. Ça va pas plus loin, mais c'est intéressant de se dire que Vincent Lacoste, voilà, a choué <laughs> Thomas Beggelter. Ça me, voilà, ça me fait toujours triper, Ça me fait toujours délirer. Alors évidemment, les films de groupe comme ça, Electro, c'est ça, c'était nouveau, hein. à l'époque. Hein, on va dire, Daft Punk a lancé la, la, la vague, et évidemment, de leur côté, Justice, hein, comme vous le savez probablement, euh, donc en août 2019, ont proposé leur Iris, voilà soi-disant space opera by justice euh, space opera faudrait quand même re redéfinir ce que c'est parce que donc à la vue du film c'est plus une espèce de, de concept visuel mais plus live quoi un peu comme avait fait les Daft punk avec live voilà où il y, y a tout un live très visuel, mais euh, Space Opera, faudrait quand même euh, peut-être leur expliquer Justice que voilà faut redéfinir. Euh, c'est surtout des batailles galactiques, etc. Enfin voilà, on s'attend plus à une odyssée spatiale plutôt que juste euh, un trip musical quoi. Bon voilà, c'est ce qu'on peut peut-être reprocher à Iris. Après c'est une expérience. Euh, Plutôt de concert, je dirais, une expérience musicale, hein, évidemment immersive, et qui est le cinéma est là aussi pour euh, transmettre ces émotions-là, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres groupes qui se sont essayés, donc au film, au cinéma, à essayer de, de jouer sur leur personnage, leur imagerie, etc., et d'en de, de, faire un film. Hein, voilà. Écoutez, voilà, j'avais envie de revenir un petit peu sur, euh, sur le palmarès de Daft Punk au cinéma. C'est une vidéo assez courte, je voulais pas forcément rentrer dans le détail, voilà, puisqu'Electroma, c'est vrai que j'aurais pu faire une, une vidéo à part, mais je me disais que c'est, voilà... C'est intéressant de voir, mais je ne pense pas que ça mérite vraiment de décortiquer comme ça au maximum euh, les films. Mais c'est intéressant de, re de revoir un petit peu le, pal le palmarès entre les films produits par Daft Punk, les apparitions, les utilisations dans des films français ou autres. Euh, et puis évidemment, donc, euh, Disney qui est allé les chercher donc, pour Tron l'héritage. Donc voilà, ça montre un petit peu euh, un, euh, tout, tout l'univers Daft Punk qui est intéressé un petit peu au niveau international comme ça, ou des, des, des cinéastes un petit peu... Euh, donc, euh, euh, indépendant, vous euh, voyez, donc euh, c'est ça, euh, voilà, donc ce que, ce que je n'aime pas appeler le cinéma d'auteur, mais vous voyez, comme par exemple chez Gaspard Noé, quoi. Voilà, donc écoutez, euh, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour, alors évidemment j'aurais pu rajouter aussi que euh, Daft Punk au cinéma, c'est également des clips, dont un réalisé par Michel Gondry, comme vous le savez, donc pour Around the World, évidemment, donc voilà. Il y a également Michel Gondry qui est associé à Daft Punk dans une recherche Google, en gros. Mais voilà, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai même vu qu'il y avait Mike Tyson qui était associé aussi à Daft Punk parce qu'il euh, aurait réalisé un film, en tout cas il avait projeté de réaliser un film en 2015 en utilisant la musique de Daft Punk. Et bon, voilà, je ne sais pas où ça a mené, je ne sais pas ce que c'est que ce film. Et évidemment, il y a eu un, docu un documentaire récent, etc. Mais je ne le compte pas, un documentaire, évidemment. Euh, je parle plutôt des films de fiction, évidemment. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour de Daft Punk au cinéma, je pense, vous voyez, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu des, des, des belles tentatives, euh, je pense que ce qu'il faut retenir de Daft Punk au cinéma, c'est surtout Interstellar 5555 et Electroma, voilà. Sinon, euh, voilà, mais sur cette quête d'humanité, c'est, encore une fois, je vous, quand même, je vous, le, je vous le recommande, Electroma, parce que euh, c'est à voir, quand même, malgré tout. Euh, il est disponible sur YouTube, Interstellar 5555 aussi. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez des deux, des deux films. Donc voilà, ça peut être sympa à regarder tout en pensant donc évidemment à la triste nouvelle euh, Daft Punk, voilà la séparation. Après, euh, comme on voit que Guy Manuel, donc, à la fin euh, donc de la vidéo épilogue, hein, erre tout seul, on peut imaginer que, voilà, euh, en tout cas, il continue euh, à travailler mais en solo. Après, c'est aussi peut-être le cas de Thomas Bengelter, hein, qui va peut-être aussi produire, voilà peut-être plus à la production, et Guy Manuel euh, voilà, va peut-être écrire des, nouvelles, des nouveaux titres, on va voir. On, on verra bien. En tout cas, voilà, c'était une vidéo un peu différente de d'habitude, mais je voulais revenir un petit peu voilà, sur, euh, sur le, le, le palmarès Daft Punk au cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, D'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos la semaine prochaine. Alors, peut-être qu'il s'agira d'un nouveau film Netflix, voilà. Pour le moment, c'était un peu en stand-by puisqu'il y avait une breaking news avec euh, Daft Punk. Mais voilà, peut-être que je vais re, re, voilà, continuer sur cette vague des films Netflix. Euh, normalement, il y a des choses euh, qui vont arriver pour mars qui peuvent être alléchantes donc à voir. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end et d'ici la semaine prochaine comme toujours, n'oubliez pas Prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao